Marinette. Toujours aussi belle. Avec 20 ans de plus. Ah, on s'est aimés très fort tous les deux. Oui, on s'est aimés très fort. On avait décidé d'être raisonnables. Je sais, mais on n'a plus tellement à vivre, Marinette. Si on se mariait. Oh, Cyprien. Maintenant que tes enfants sont casés, et que ta femme est morte, et mon mari, j'en fais quoi de mon mari? Il faut qu'on se marie. Épouse-moi. Tu es fou. Je peux pas vivre sans toi. Mais c'est impossible, Cyprien, tu sais bien. Mais pourquoi? C'est pas compliqué. Divorce. Oh, Cyprien. Quel dommage que tu ne m'aies pas demandé ça il y a 20 ans. Mais c'est pas trop tard. Je t'aurais suivi au bout du monde. Je t'aime. Non, je t'en prie, Cyprien, ne me fais pas souffrir. Je ne veux plus souffrir à cause de toi. Bon. Bon, mais tu resteras avec Raoul. Il en fera comme avant. Seulement cette fois-ci, c'est moi qui attendrai. Comme ça, tu souffriras pas. Non. On s'est déjà dit adieu une fois, on ne va pas recommencer. Je préfère rester sur nos beaux souvenirs. Je veux mourir avec toi. Tu veux dire que tu veux vivre avec moi? C'est trop tard, Cyprien. Bon. Non, mais très bien. On va quand même faire comme avant. Seulement, cette fois, c'est moi qui vais traverser le pont. Et puis, si tu m'as pas rejoint là au tournant, si tu m'as pas rejoint, ben, c'est que tout sera fini entre nous. Hein? Qu'est-ce que tu fabriques? Jason est mort. Ne dis pas que c'est pour lui. Ben pour qui d'autre? Tu pourras m'en faire un pour ma vache quand elle crèvera. T'as jamais eu de cœur, ma pauvre Adèle. J'étais venue te dire que le petit s'en va. Sa mère se remarie, elle veut faire un essai à ce qui paraît. S'en va, Olivier? Mais tu vas pas le laisser avec cette femme. Mais pourquoi? Son père est mort et c'est sa mère quand même. Il me bassine avec elle tous les jours que Dieu fait. C'est juste pour rêver, tu comprends rien. Oh, tu m'emmerdes, Cyprien, je fais ce que je peux. Et puis, il faut vraiment que je fasse opérer cette jambe depuis le temps. Il a besoin de toi. Je suis peut-être une sans-cœur, mais je suis pas une idiote. Je dirais plutôt que c'est toi qui as besoin de lui. Si tu l'abandonnes, je te parle plus. Jamais. Merde. Quoi?
Non, mais chiale pas comme ça. Il a eu une belle mort, ce chien. Alors, tu pars? Oui, avec maman. Alors, tu me recoses? Je veux téléphoner. À qui tu veux téléphoner? Au taxi. Je retourne à Noisac. Noisac? Alors, t'es bien malheureux. Mais moi qui fais la sotte. Excuse-moi, Cyprien. Je te l'avais dit. Ici, quand on y a goûté, on peut plus s'en passer. Arrête tes conneries, Léon. Je viens là pour mourir. Bonjour, monsieur Mallory. Écoute, papa, le Clos Fleury est un endroit formidable. Tu pourras fumer, tu pourras boire. Non! Qu'est-ce qu'on peut faire? Vous savez, quand un pensionnaire a décidé de se laisser mourir... Moi, je veux pas, j'ai besoin de lui. Peut-être que vous n'avez pas su bien lui montrer. C'est ça, c'est de ma faute. Tu as révisé ta géographie? Pas encore. Est-ce que tu attends que je la prenne à ta place? Je l'aime, mais il me fatigue. Il est infernal depuis qu'il est revenu. Il faut dire que sa mère, elle exagère venir le chercher pour le ramener 3 jours après. Oh, puis je suis trop vieille maintenant pour la jeunesse. C'est vrai que t'as pas bonne mine. Ah oui, c'est cette petite jambe. Je devais me faire opérer, mais avec le gamin. Il a plus que moi, ce petit. Je peux pas le laisser. Il me le mettrait à la DAS. C'est quoi
quoi la DAS? C'est là où on met les orphelins. T'en as de la chance, toi. Ton père est mort et ta mère veut plus de toi. C'est vrai que tes parents, ils vont divorcer? Ouais, parce qu'ils m'aiment pas. Mais je m'en fous. Bientôt, je m'en irai. Dès que la vie est terminée, on part tous les deux. D'accord? Nathalie, tu viens, on s'en va. Au revoir, à bientôt. C'est bien la DAS? Olivier n'ira pas à la DAS, ma chérie. Et moi? Toi? Mais toi, je t'aime, je te quitterai jamais. Pourquoi tu me demandes ça? Tu m'aimeras toujours? Mon amour, il faut que tu sois sûr d'une chose. Quoi que tu fasses, où que tu sois, je t'aimerai toujours. Toujours. La chambre de Monsieur Mallory, s'il vous plaît. Là? Merci. Cyprien. Cyprien. C'est toi? T'es beau comme un astre. Ben, c'est gentil d'être venu me voir. Qui c'est qui t'a amené? Cyprien, il faut que je te parle. Très grave et très urgent. Très grave et très urgent. Ma mère ne veut plus de moi et on va me mettre à la DAS. Mais Adèle... Faut qu'elle aille à l'hôpital. Je veux pas aller à la DAS, Cyprien. Je mourrai. Je veux que tu me prennes avec toi. Je suis beaucoup trop vieux pour m'occuper d'un garnement comme toi. En juste 3 semaines, je serai sage. T'es le seul qui puisse me sauver. Mais quand est-ce qu'elle doit se faire opérer, Adèle? Bravo, Monsieur Mallory. Eh bien, où allez-vous de ce pagaïa? Je pars. On est en République, non? Je suis libre. Dis-donc, toi, ta carte de la Tour Eiffel, je l'attends toujours. Je l'ai même pas vue, j'étais puits. Dis, Cyprien, tu m'emmèneras à la pêche? Bon, bien entendu. C'est juré, hein? Oh, c'est promis. Avant de repartir? Ouais, des pizzas! Nous avons envie de pizza. Tu peux en prendre 3 si tu veux rester dîner avec nous. Et toi, tu vas prendre la chambre de Laurent. Eh ben, on y va. Tiens, passe-moi donc la ponceuse. À table! Et vous le sortirez comment quand il sera fini? Mais qu'est-ce que je peux faire? L'important, c'est qu'on les construit tous les deux, Olivier et moi. On n'aura qu'à casser le mur. Ben voilà, on va casser le mur! Ah bon? Qu'est-ce que c'est que ça? Bonsoir tout le monde.